Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Enfin, je suis un peu triste Ouais, quand même. triste. Pourquoi? Pourquoi? C'est Vas-y. les dernières heures. Oui, de mes vacances Et déjà. du sapin. Ouais. Dites-lui au revoir. Voilà, dites-nous courage pour démêler toutes les petites lumières Et à dans qui sont six mois, emmêlées par là avec. surtout. Oui, à dans 6 mois. Allez. Pour vos vacances aussi, à dans 6 mois. Faut travailler un peu. Oui. Plus sérieusement Oui, et oui. plus gravement, on s'est attaqué à du lourd. Je t'en prie, précise. Dans la tête de Monique Olivier, mini-série Netflix, Monique Olivier qui est la femme de Michel Fourniret, le tueur en série français. Déjà top 4 sur Netflix, c'est du 16+, 5 épisodes d'environ 35 minutes. Donc c'est très rapide, format court, il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'informations. C'est réellement passionnant. Mais avant tout ça, c'est réalisé par qui? C'est réalisé par Christophe Astruc, Très qui bien. est un directeur photo. Et c'est sa première réalisation. Il y en a une autre qui va peut-être sortir sur Arte, mais on n'a pas la date encore. Très bien. Donc le pitch, bon, Michel Fourniret, alors c'est le tueur en série le plus marquant et le plus célèbre français. C'est Il quelle a région, s'il tué te des plaît? enfants, des jeunes filles. C'est dans les Ardennes, dans le nord de la France, C'est et en entre. Belgique. Voilà, c'est un La territoire. frontière belge. Il est même descendu jusqu'à Auxerre, donc c'est un périmètre franco-belge d'environ 300 km, dans lequel il a kidnappé, enfin enlevé, violé et tué 9 jeunes filles et jeunes femmes. De Voilà. 87 à 2003 environ. 9 connues à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Peut-être plus encore. Oui, mais on suppute qu'il y a Oui, beaucoup d'autres. c'est ça. Très bien. Attention, le reportage se base, se focalise sur sa femme, Monique Olivier, qui, dans les toutes premières heures de l'enquête, passe pour quelqu'un qui n'était pas au courant, puis passe pour quelqu'un qui était totalement sous la coupe de son mari, sous son emprise, personne fragile. Pas d'un point de vue physique, hein, mais moralement fragile, moralement bête, limite maladie cérébrale, quoi, apathique, maladif, bref. Et plus ça va, plus on aperçoit que finalement, il se passe quelque chose. Voilà, on va pas trop rentrer dans le détail, mais elle cache beaucoup, beaucoup de choses. Très bien. Ton ressenti, s'il te plaît. Oui, pour ceux qui sont pas au courant de l'affaire, je conseille. Maintenant, pour ceux qui sont déjà au courant, le documentaire n'apporte rien de plus. Très bien. Donc toi t'aimes les tueurs en série. Ah oui. Tout ce qui est fait entrer l'accusé, c'est ton dada. Snap, les femmes tueuses aussi, c'est très bien. Voilà. Donc toi t'étais très au fait de cette enquête-là. Donc t'as pas appris grand-chose Non. à ce sujet-là. Non, non. Mais est-ce que c'était quand même intéressant pour toi ou Ah oui, c'est pas? quand même très intéressant. Ça fait toujours froid dans le dos. C'est des faits réels. Moi, j'aime bien regarder ces documentaires-là. Et toi? D'accord. Bah moi, j'aime pas. Voilà. Ouais, toi, tu lis aussi Stéphane Bourgoin. J'ai même vu ces vidéos. Moi, j'aime pas. Michel Fourniret, bon, j'en ai entendu parler un peu comme tout le monde. Je me suis éloigné un peu de tout ça parce que voilà, ça ne me fait pas vibrer. Hier, on ne devait absolument pas regarder cette série. J'ai Oui. dit, bon, je vais la mettre 5 minutes pour voir. Résultat, on a regardé les 5 épisodes d'un coup. Voilà, moi j'ai trouvé ça passionnant. J'ai appris plein de choses. Déjà sur la Monique. C'est Monique comment? Monique Olivier. Voilà. Personnalité, mais sombre, inquiétante, torturée. Ça va au-delà de ça. Ensuite, j'ai appris beaucoup de choses. Ça, tu m'en as parlé avant la série. Ah oui. C'est pas que du viol et de la torture. Fournirait, c'est aussi l'arnaque de gang des Ouais, postiches. c'est Voilà, ça. je souris parce que je repense à un truc, mais bon, Pour c'est pas drôle acheter du tout, le quoi. château. Voilà, c'était pas un manant, un pauvre hère débile et psychotique. Non, non. En fait, ce qu'il voulait, c'était ça, l'argent, sans bosser de suite maintenant, Oui. et les enfants, quoi. Voilà. Les jeunes filles, les vierges. Il est totalement focalisé sur le mythe de la vierge, la virginité. Et il n'y a pas que ça aussi. On va apprendre des choses très intéressantes comme leur rencontre.
Et tu disais et quoi? la vie de Monique avant Michel. Donc, à savoir que sa vie n'a pas été rose. Oui. Mais ça n'excuse pas ce qu'elle a fait. Totalement. Après, on va avoir tous les intervenants de l'époque. Donc, va se passer de deux oppositions, un peu comme on a eu. Toi, vas-y, donne ta version des faits. Enfin, moi, ma version des faits, c'est qu'elle est concernant coupable. Monique. Ouais, elle est coupable tout en tant que lui. Voilà, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Et le fait qu'elle soit à l'initiative et de tout ce projet-là, moi, j'y crois. Alors, ah oui. Ouais. Ah non, oui. Mais non. Alors. C'est pas elle qui a été violée des gamins. Oui. Voilà. Mais, oui, mais donc, d'accord, elle doit avoir la peine. D'ailleurs, elle l'a. Maintenant, de là à la mettre à la place du tueur en série, non. Elle, elle les a pas tués. Ouais. Elle les a pas violés. Ok, elle était dans son ombre. Elle a pas agi. Voilà. Est-ce qu'elle a fait ce qu'il lui demandait? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est elle qui a été lui dire tu vas faire ça, tu vas faire ça? Moi, je pense pas. D'accord. Voilà, donc clairement, je pense pas. C'est un peu les deux positions de cette série-là, de ce documentaire. Il y a le réquisitoire du procureur général qui dit que Monique Olivier est tout autant coupable. Parce il dit carrément que c'est elle qui tient les ficelles. Oui, voilà. Et la position de l'avocat de la défense qui dit que Monique Olivier, non, c'est pas elle qui a. D'accord, elle était extrêmement lâche. D'accord, elle était d'une inhumanité totale, aucune empathie, apathique. Ah oui, pas humaine. Voilà. Pourtant, c'est une mère. Circonstance aggravante, en plus, elle, c'est une femme et c'est une mère. Donc, faire ça à des gamines, parce qu'on rappelle que il y a aussi l'ombre d'Estelle Mouzin. Qui est derrière là, qui est oui, derrière ça. Tout ça, et qui n'a pas été encore jugé. Le jugement, c'est dans quelques mois, je crois. Oui. Estelle Mouzin, c'est 9 ans. Hein. Donc, voilà. Bref, très intéressant. Est-ce que tu le conseilles ou pas? Ah, bien sûr, je le conseille à ceux qui ont suivi l'histoire, à ceux qui connaissent l'histoire, à ceux qui ne connaissent pas. Par contre, pas à ceux qui n'aiment pas ces sujets-là, évidemment. Ah, si vous êtes sensible, si vous n'aimez pas la cruauté... Question des viols, des enfants, la pédophilie, tout ça. Plus d'une fois, on était devant la série, on s'est regardé tous les deux, puis on s'est dit non mais c'est... Hein? Ah ouais, c'est vrai, je rigole, mais c'est pas drôle. Ah non, mais c'est... Ouais, mais... Des fois, c'est indicible. Il y a même plus les mots. D'ailleurs, tous les intervenants de l'époque, des fois, ils se disent mais là, on a touché le fond du fond, quoi. C'est l'abîme de la noirceur dégueulasse la plus totale, tu vois. Quand il parle de membrane sur pattes, alors ça, ah oui, alors pour lui, ça, c'était c'est... même pas des enfants. Ah oui, c'était des membranes sur pattes. Ah, c'est, voilà. C'est atroce. Hein? Non, mais il avait juste un problème dans sa tête. Comme quoi, la réalité dépasse de très haut la fiction. C'est ça. Bref. Bon. J'espère qu'on va se revoir avec un sujet plus léger. Plus joyeux, pour un retour de lecture, je pense. Voilà, plus inspirant. Que lis-tu en ce moment? J'ai fini la nouvelle, Premier amour. Excusez-moi, dans la vidéo précédente, je me suis totalement trompée. Ah. C'est pas une copine qui va raconter son premier amour attends, à d'autres attends, copines. Attends, c'est de quel livre parles-tu? Premier amour. De Tourguenev. Très bien. Un classique. Mmh. Très court. Oui. Déjà, dans ce livre, en fait, c'est pas que Premier amour. Il y a trois nouvelles dedans. Mmh. Très, très courtes. Dont Premier amour, que j'ai fini. Très bien. Et en fait, c'est simplement des copains, des potes assez mûrs parce qu'ils boivent un coup, qui se réunissent et qui vont raconter leur premier amour. Sauf que personne a des histoires passionnantes. Il n'y en a qu'un seul. Mmh. Et il dit, bon, moi, je suis mal conteur. Je suis très mauvais conteur. Mmh. Je vais écrire tout ça sur un papier, puis on se revoit. Donc, dans 15 jours, ils se revoient. Et nous, on lit ces papiers qu'il a écrits. D'accord. Donc, on lit le livre, tout simplement. Okay. Et c'est une très belle histoire. Très belle histoire, un peu... Comment on peut dire ça? Je t'ai raconté. Oui. Un peu gênant, quand même. Un peu malsain. Mais ça reste une histoire. Ah oui, mais ça passe totalement. Hein. C'est totalement crédible. Hein. Oui, c'est cohérente, totalement crédible. Surtout pour l'époque. Il faudrait que je me renseigne si c'est pas fait réel. Ah, je pense, ouais. Ça date ouais. de 1830. Ça se lit encore aujourd'hui, franchement. Bon, on fera un retour. Oui. Vite fait, bien fait là-dessus. Très bien. Merci à vous. Et voilà, merci. À bientôt. Et bonne journée.